Très heureux de vous retrouver pour le magazine des sports de ce mercredi. Amis sportifs, merci de rester en notre compagnie pour parcourir l'information sportive nationale. Ce magazine a pour articulation le match aller des éliminatoires du CHAN 2020 où le Togo l'a emporté sur le Nigeria à Lomé, puis la finale du tournoi du Ramadan joué le week-end dernier à Lomé. Puis nous irons à Gwe, la ville qui abrite la première édition du gala de football dénommé MedFoot, une compétition qui regroupera le corps médical du Togo. Et nous allons donc en savoir plus avec Dr Gamélé Keke et Dr Barak Boukar, tous deux membres du comité d'organisation de cette compétition qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Monsieur Gamélé, c'est à ma droite. Oui, merci beaucoup, monsieur Jean. Et le service? Le service d'ophtalmologie du CHU Sylvanus Olympio. Voilà. Monsieur Bouka. Oui, monsieur Jean. Monsieur Barak Boukar, docteur Barak Boukar. C'est la même chose. Vous êtes médecin en spécialisation de radiologie et d'imagerie médicale, membre du comité d'organisation du MedFoot. Tout à fait. Comment ça bouge? Bon, ça avance et nous espérons que les choses iront pour le mieux. Et le centre, ou bien l'hôpital Sylvanus Olympio. Tout à fait. Comment ça bouge là-bas? Bon, ça a évolué. Jusque-là, ça avance. On se plaint pas. Dieu merci. Ouais. Vous êtes togolais comme moi, donc dimanche, vous avez savouré la victoire des Éperviers sur la formation du Nigeria, dénommée la Super Eagles. Bien. Justement, nous étions très ravis de la victoire des Éperviers le dimanche dernier par un score auquel franchement nous ne nous attendions pas, 4-1. C'est une victoire qui a fait beaucoup plaisir au peuple togolais et aux sportifs en général. Tout à fait. Bien, avant de revenir, passer la parole à M. Boukar, on va revivre les temps forts de ce match. Et disons plutôt qu'un éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2020, les Éperviers locaux ont affronté dimanche après-midi un match aller, les Super Eagles du Nigeria au stade de Kege à Lomé. Une rencontre qui s'est soldée sur la victoire des Éperviers par un score de 4-1. Reportage Sergi Raimondo. Paris réussi pour les Éperviers locaux. Ils ont remporté la confrontation aller contre les Super Eagles du Nigeria. Et pourtant, ça commence mal pour les Éperviers qui sont surpris lorsque Sunusi Ibrahim inscrit le premier but de cette rencontre à la 10e minute, donnant l'avantage au Nigeria. Le Togo rebondit alors et reprend les commandes. À la 16e minute, Richard Yendoutienan conclut un joli mouvement d'ensemble des Togolais. Les deux formations sont obligées de tout reprendre. Cependant, les portiers dressent des murailles impénétrables pour éviter d'encaisser de nouveaux buts. Au bout de la première période, un but partout. La seconde aura été riche en surprises du côté des Éperviers locaux qui ont répondu physiquement. Nan Richard vient redonner espoir à ses coéquipiers en inscrivant son doublé à la 62e minute. Un but qui va faire trembler le Nigeria. Ceux-ci vont alors commettre des fautes qui leur seront fatales. À la 75e minute, sur un pénalty, Maruf Tchakei inscrit un troisième but pour le Togo. Le temps additionnel n'aura pas joué en faveur des Super Eagles qui encaissent un quatrième but sur un coup de tête d'Agoro Ashraf. Score final, 4-1 en faveur du Togo. Cette rencontre aura permis aux Super Eagles de découvrir un adversaire sérieux. Not at all. We never underestimated them. Nous n'avons absolument pas sous-estimé l'équipe togolaise cet après-midi. Notre équipe est une émanation de l'équipe des jeunes, des différentes équipes des jeunes que nous avons. L'équipe togolaise a l'habitude de jouer ce genre de compétition. Donc ils sont un peu plus rodés que nous. C'est ce qui explique qu'il y a eu tant de déchets techniques du côté de nos joueurs. Mais c'est toujours le lieu d'apprendre et nous allons nous améliorer au fur et à mesure que les compétitions avancent. Il y avait une différence évidente du côté gauche de notre défense aujourd'hui. Il y avait une ouverture. Les Togolais l'ont vite remarqué et ont su exploiter cette faille-là. Il n'y avait pas la couverture idoine. Il faut, dans ce genre de circonstances, les Togolais ont trouvé la faille et ils en ont bénéficié allègrement. Les Éperviers locaux s'en sortent donc avec une marge significative de 3-1
même si la bataille contre le Nigeria n'est pas encore achevée. Après le but, on n'a pas paniqué. Le coach sur le banc aussi nous remontait le moral. Il nous disait de ne pas paniquer, de jouer, de garder le ballon, de jouer. Donc on a suivi les consignes. Et surtout après l'égalisation, on a senti qu'on pouvait y avoir de la place, qu'on pouvait y arriver. Et au citron, le deuxième nous a vraiment libérés. Moi, je ne connaissais pas bien cette équipe, mais par contre, j'ai essayé de visionner le match des U23. J'ai vu qu'il y a certains joueurs qui ne jouent pas mieux. Je pense que ça doit être le même système. Donc, j'ai beaucoup pensé là-dessus. Je crois que dans la semaine, on a travaillé beaucoup là-dessus, surtout sur le plan offensif, parce que je connaissais un peu le point faible, entre guillemets. Mais aujourd'hui, ça a marché. Tant mieux. Mais si ça peut marcher tout le temps, je merci. Après une victoire, on est toujours... On se sent très bien. En tout cas, à la mi-temps, je les ai bougés un peu à la mi-temps. Je leur fais comprendre que si on veut aller au Chan, ça passe par une victoire ici. Il ne faut pas qu'ils soient crispés, il faut qu'ils jouent, ils savent jouer. Je crois qu'au retour sur le terrain, après le deuxième but, ils étaient encore plus libérés. Mais comme je l'ai dit, c'est une victoire qui fait du bien. Vraiment, je dédie cette victoire à mon staff et à tous les entraîneurs du Togo. C'était une ambiance de grand jour pour les supporters togolais qui redécouvrent la passion du ballon rond à travers cette victoire de l'équipe locale. Rendez-vous dans 2 semaines au Nigeria pour le match retour des éliminatoires du CHAN 2020. Bien, c'était là la physionomie. Bien, quel moment fort de ce match. Vous empêchez ce jour, vous n'étiez pas au stade parce que vous étiez encore au service. Vous servez chaque minute que Dieu fait. Comment vous l'avez appris cette victoire? Merci. Je crois que cette victoire des éperviers locaux est tout à fait méritée parce que, après la non-qualification de l'équipe nationale récemment à la CAN de l'Égypte, je crois que le peuple togolais était vraiment dans l'impasse et il fallait une occasion pour qu'il ait de la joie. C'est ça. Et les éperviers locaux l'ont très bien compris. Ils ont traduit cela à travers cette victoire éclatante que nous avons vue le dimanche dernier par un score fleuve de 4-1. Et je crois qu'à travers cette prestation que nous avons vue le dimanche dernier, ces éperviers locaux ont de l'avenir devant eux. Je crois vraiment qu'ils peuvent gagner encore le Nigeria au retour et ils peuvent facilement se qualifier pour le Cameroun l'année prochaine. Tout à fait. Voilà. Donc on revient maintenant à ce pourquoi vous êtes sur ce plateau, c'est de parler de la compétition qui a lieu ce samedi à Gouin. Il s'agit bien du MedFoot, c'est la première édition. Docteur Barak Boukar, je rappelle, vous êtes médecin en spécialisation de radiologie et d'imagerie médicale au CHU Sylvanus Olibo. Cette compétition, on vient à savoir plus. Merci Monsieur Jean et merci à la TVT pour la porte qui nous est ouverte. En effet, le samedi prochain, ça veut dire le 28 septembre, l'Association des médecins du Togo entend organiser un tournoi de gala intitulé Med plus Foot. Ce championnat consistera tout simplement à regrouper les médecins et leurs collaborateurs. On comprend par là les infirmiers, les techniciens d'anesthésie, l'assistant médico, les pharmaciens, tous ceux-là qui tournent autour de la santé de l'homme au Togo, pour qu'ils puissent partager des moments de convivialité ce samedi à Agouet, sur le terrain de l'école Atlantique 6 à Agouet, non loin de rond-point de Lyon. Tout à fait. Et à ma droite, M. Keke Gamelé. Oui. Pourquoi une compétition pour le corps médical? Alors, cette compétition vise plusieurs objectifs. En premier lieu, d'abord, faire connaître l'Association des médecins du Togo au public par cette activité. Ensuite, nous entendons faire un brassage ou encore renforcer les liens de solidarité entre les médecins et leurs collaborateurs proches, c'est-à-dire les paramédicaux, les médecins eux-mêmes dans leurs différentes corporations, c'est-à-dire ceux du public, du privé, les médecins militaires, les étudiants en formation de médecine. Et donc tout ce bon monde sera regroupé et ça va permettre de déstresser un peu parce que souvent on dit que les médecins sont victimes de
leur profession. Nous allons sortir de notre cadre médical, laisser nos stéthoscopes, laisser tout ce qu'on fait pendant un après-midi, se retrouver, jouer au football, avoir une bonne santé pour s'occuper mieux de nos populations. Voilà. C'est le but visé par le tournoi. C'est ça. Quoi qu'on dise, c'est vrai que vous n'avez pas tellement de temps pour faire du sport. Effectivement, nous conseillons le sport à nos patients. Il faut que nous soyons aussi en bonne santé. Donc, nous instaurons ces activités et nous tenons à les pérenniser pour permettre à ce que les médecins puissent aussi bénéficier de ce sport-là qui est très important pour notre santé. Tout à fait. Je vais revenir encore à ce sujet. On va vivre un peu l'ambiance qui est régnée dans les vestiaires des éperviers dimanche dernier après leur victoire. Aujourd'hui, les gens vont savoir que le Togo s'est joué. Et ce n'est que le début du commencement. C'est vrai que nous avons fait 4-1, mais ce n'est pas la fin du monde. Donc, soyez encore concentrés pour le match retour. Vous nous avez donné la joie. Je pense que tout le peuple togolais est content. Et je vous ai dit, si vous vous qualifiez, ça serait la première fois que le Togo participe au championnat. C'est maintenant, vous l'avez déjà fait. Oui. Pour ma part, je me dis grand merci au nom du gouvernement, au nom de la fédération, du commerce exécutif. Franchement, félicitations. Je vais vous demander de remercier notre grand chef, le chef de l'État, qui ne cesse jamais de penser au football et surtout à la jeunesse. Ça fait du bien au peuple togolais entier et nous, sur ce plateau, nous n'en sommes pas du reste. Monsieur Baké, cette ambiance, comment est-ce que vous l'avez? Alors, c'est une ambiance qui fait vraiment plaisir. J'aurais été au terrain, j'aurais eu les mêmes réactions parce que le Togo qui gagne avec ce score, ça fait déjà longtemps qu'on y a pensé. Et c'est une façon de renouer avec le peuple. Il faut dire que cette victoire, comme le président de la fédération vient de le dire, ça remet du boom au cœur de tous les sportifs. Et ça permet de booster également les joueurs pour faire mieux pour les compétitions à venir. Nous espérons que nous allons vraiment participer à ce CHAN comme nous n'avions jamais fait. Oui. Donc nous allons attendre comme en 2006 à la qualification au Mondial du Togo. Tout à fait. Très bien. Monsieur Boukar Barak, dites-nous, et vous, par rapport à la compétition pour laquelle vous êtes là, il s'agit bien du Med Foot, ou bien Med Plus Foot. Oui. Med Plus Foot. Voilà. Med Plus Foot. Quels seront les pays, les clubs en présence? D'abord, il y en aura combien? Merci, Monsieur Jean. En effet, pour ce tournoi, nous avons recensé 9 équipes. Ouais. 9 équipes réparties en 3 poules. Ouais. De 3 équipes.
Donc dans la poule A, nous avons l'ensemble des médecins du public, les médecins militaires et les techniciens en anesthésie et réanimation. Ces trois corporations forment la poule A. Au niveau de la poule B, nous avons les assistants médicaux, les pharmaciens et les médecins qui sont en formation pour devenir spécialistes. Donc ces trois corporations forment également la seconde poule qui est la poule B. Et la dernière poule, la poule C, renferme tous les médecins du secteur privé, les infirmiers et les étudiants en formation pour devenir des médecins. Ce sont là les 9 équipes qui vont prendre part à ce tournoi. Vous appartenez à quelle équipe, vous? Bon, moi je suis militaire, je suis un officier supérieur, je suis médecin commandant. Donc je ne peux qu'appartenir à l'équipe des médecins militaires, mais je suis ici avec une double casquette. Oui. Je suis ici en tant que membre organisateur du tournoi. Voilà. C'est parce que vous jouez. Donc bon, je serai neutre. Si je joue, je vais peut-être dire les choses. Tout comme mon collègue docteur. Qui ne joue pas aussi? Alors, moi, j'appartiens à l'équipe des médecins en spécialisation, donc les DES. Et en tant qu'organisateur, je tiens quand même à jouer ce tournoi parce que je veux aussi y participer. Voilà, suivez un peu. C'est ça. Et voilà. Donc, je serai dans l'équipe et j'invite tous les collègues aussi à faire comme moi. Voilà, de vous deux, quelle équipe va s'engager quand on a vu les médecins faire le soir de samedi? Alors, je peux rassurer que les médecins en spécialisation sont vraiment bien partis pour remporter le tournoi. Chacun prêche pour sa chapelle, mais je crois que les militaires, ils frappent toujours. Et l'armée ne fera pas exception. Les médecins militaires s'entraînent déjà. Hein, on a eu une séance d'entraînement hier. Hein? Vous avez un professeur à détail. Oui, mais bon, comme on le comme dit, le Nigeria, hein? justement comme on le dit, c'est un peu comme le Nigeria, le Togo. Donc, on attend voir sur le terrain. C'est le terrain qui va déterminer. Tout à fait. Voilà. Et comme vous l'avez dit, vous êtes déjà à l'entraînement. Et au niveau de votre club, vous avez les échos? Bon, je crois que dans les réunions préparatoires, nous avons reçu tous les capitaines des différentes équipes et on sent qu'il y a un engouement qui est là. Les différentes équipes s'organisent à leur niveau et nous espérons avoir un très bon tournoi ce samedi à Agoué. Oui, et du passage, on salue Dr Alassani Mohamed Sissé. Lui, c'est le président du comité d'organisation de cette compétition et en même temps président de l'association des médecins du Togo. Tout à fait. AMD. Très bien. C'est quand déjà cette compétition? On a dit bon, c'est dimanche, c'est samedi, mais c'est... Alors, cette compétition, c'est le samedi, le 28 septembre, samedi prochain, à partir de 13h sur le terrain de l'école Atlantique à Agoué. Les conditions d'accès à l'école? Les conditions sont free. Alors, vous entrez gratuitement, mais vous sortez avec beaucoup de choses. C'est-à-dire? Alors, nous entrons pour jouer et nous allons partager beaucoup de moments de convivialité. Oui. Nous allons partager également de la joie. Nous allons partager et des actions sociales parce que en marge de ce tournoi, nous allons offrir des dons, des kits scolaires et des médicaments aux orphelins en passant par l'association Zila. Très bien. Ok. Parmi vous, dans le tour, c'est quoi que vous allez regrouper? Il doit en avoir parmi eux qui est peut-être le désir d'appartenir pour les jours à venir à un club du Togo pour jouer la première ou la deuxième division. Histoire de vous dire qu'il n'y a pas longtemps, vendredi dernier, le commerce était avec les acteurs du football togolais pour parler de la nouvelle saison et toutes les attributions à ces clubs pour que la saison soit belle. Donc nous écoutons le colonel Guy Akbovich, président de la FTF, au sorti de cette rencontre. Je dirais un mot à l'endroit. Nous lançons le seul championnat surtout pour la D1, le 6. Et pour la D2, on s'est dit qu'on attend les derniers matchs de la D3 pour pouvoir fixer la date. Mais ce qui est sûr, ça doit être en novembre. Vous voyez que pour ce championnat de D1, la fédération a toujours fait ce
ce qu'elle pouvait faire. Hein. On dit que la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Nous avons donné le minimum, hein, je dis le minimum, hein, qui est de 5 millions hein, par club de 2-1. Nous avons prévu 3 millions pour le club de 2-2. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Et l'État, nous faisons que reconduire ce que l'État avait proposé l'année dernière, qui est de 7 millions. Donc, en gros, si tout va bien, hein, tout va bien, ils auront 12 millions. Je parle des 2-1. Et si les sponsors répondent, hein, répondent favorablement à nos appels, certainement qu'ils en auront plus. Donc, je dis que nous avons donné que le minimum. Donc, ça peut augmenter ou ça peut rester à l'État. Depuis notre prise, notre présence à la tête de cette fédération, c'est la 4e fois consécutive que nous lançons le championnat. Donc, pour nous, c'est une fierté que ce 4e championnat va se dérouler dans de très bonnes conditions puisque nous avons en amont rempli certaines conditions, c'est-à-dire la formation des arbitres, la formation de certains acteurs, la formation de même des journalistes, hein, pour que vous puissiez avoir tous les éléments afin de pouvoir commenter en bon escient donc tous les matchs. Le dernier championnat pour ce commerce que je parle du nouvel élan, il est quand même important hein, qu'on soit ensemble et parler avec les acteurs pour que les gens voient exactement ce que nous avons fait, hein, ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Qu'on dise, on ne peut pas danser s'apprécier soi-même. Vous-même, vous êtes les acteurs, vous avez vu ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Si en 4 ans, nous avons eu le championnat, c'est quand même une réussite. Et par rapport aux différentes catégories que nous avons mises en place, je crois que nous sommes fiers hein, de l'avoir fait. Peut-être nous allons continuer, on peut continuer avec les mêmes éléments, ou peut-être c'est d'autres qui vont continuer, mais c'est que c'est l'ensemble que nous allons réussir, et c'est le football. Très bien, merci colonel Guy Akbovi. Bonne chance donc au club pour la nouvelle saison qui démarre bientôt. Revenons sur ce plateau pour parler tournoi ou gala Made Plus Foot avec nos invités Gamelé Keke et puis Barak Boukar. Monsieur Gamelé, on avait touché un peu du joueur, la partie des pluies. Qu'est-ce qu'il y a dans la cagnotte pour cette compétition? Alors, dans la cagnotte pour cette compétition, je vais dire que ça reste encore une surprise parce que le président du comité d'organisation a tenu à ce que cette première édition soit une réussite pour baliser le terrain des autres éditions. Ouais. Alors, il y a des prix qui seront donnés, il y a des médailles, il y a également un trophée. Alors, je vais réserver quand même cette surprise pour ceux qui seront présents ce samedi au terrain pour assister au tournoi des médecins. Voilà, surtout qu'il y a des médailles que les médailles militaires. Médecins veulent remporter et vous aussi vous voulez remporter. Je crois que chacun tirait les droits de son côté. Absolument. Quel est le prix que vous envisagez pour le jeu-là? Nous, de nature, l'homme est gourmand. De nature, l'homme est gourmand et même s'il faut s'accaparer tous les prix, ouais, on n'hésitera pas. Que ce soit le meilleur buteur, l'équipe fair play, que ce soit. Mais gagner des buts. Celui qui gagne même la compétition, nous sommes prêts à l'arracher. D'accord? C'est pourquoi on s'entraîne durement. On dit la sueur versée à l'entraînement évite le sang au combat. C'est ce que nous allons essayer de faire. Très bien. Donc, en revenant toujours à l'objectif, vous allez parler de la santé et de la convivialité. Tout à fait. En réalité, nous sommes ceux-là qui sont constamment auprès de nos malades. Ouais. Et nous n'avons pas ce temps de nous divertir, de pratiquer le sport. Alors qu'à l'hôpital, nous conseillons à nos patients de pratiquer le sport qui est le gage d'une bonne santé. Ouais. Et de deux, nous sommes éparpillés un peu dans le pays et nous ne nous connaissons pas beaucoup de façon physique. On est là sur le plan virtuel, mais le brassage entre confrères est important et avec nos collaborateurs, que ce soit les infirmiers et autres. Donc c'est ce qui est recherché ici. Et comme l'association des médecins togolais qui est créée en 2016, toujours l'association, c'est aussi un tremplin pour faire parler d'elle, pour que le monde sache qu'en dehors de l'ordre des médecins du Togo, il y a une association qui existe et qui fait des œuvres également. Et nous ne voulons pas occulter l'aspect social. C'est pourquoi nous avons voulu collecter certains médicaments, d'autres dons en nature, pour aider ces orphelins-là qui sont en besoin. Très bien. Monsieur
Keke, monsieur Keke, avant de revenir à vous, vous allez nous parler un peu des avantages qu'il y a à pratiquer le sport, les avantages, les innovations. Ici, on a la paresse très souvent d'aller pratiquer son sport, ne serait-ce qu'une fois dans la semaine. Vous allez venir un peu sur ça en tant que médecin pour nous donner d'utiles conseils à propos. Mais avant ça, le ramadan de cette année est entré dans l'histoire, certes, mais mais son nom plane toujours à Fraternité Football Club de Lomé, dont le tournoi du Ramadan a pris fin ce week-end, réservé aux Gaillards. Ce tournoi a été remporté par l'équipe Les Lattres Cadres, qui a battu à la finale sa consoeur Coran Karim 3-0. C'était dimanche au stade municipal de Lomé, sous le regard de Tien Kyoutba. Il demeure fier d'être frère à Fraternité Football Club de Lomé, un club multipote qui rassemble des individus de diverses origines et issus de toutes les couches sociales. Comme chaque année, Fraternité Football Club de Lomé a initié un tournoi du Ramadan dont la finale met face à face ses équipes, les Lattres Cadres en jaune et Coran Karim. Une opposition de 2 fois 1 heure que les vieux poumons en jaune vont prendre au sérieux au point d'ouvrir le score dès la 23e minute suite à un tir des 30 mètres. Afin que leur vis-à-vis de Coran Karim tente de laver en vain, ce à 2 reprises. Au même moment, les Lattres Cadres guettaient la moindre occasion pour corser l'addition sans succès. Les 22 frères se séparent alors pour la pause sur ce score d'1-0 en faveur des jaunes. Au deuxième round, les Lattres Cadres se signalent par une baisse de régime dont ne profite pas aussi Coran Karim qui rate encore des occasions. À la 75e minute, les jaunes réussissent leur addition pour porter le score à 2-0. Puis un troisième but à la 81e qui fait office de dernier appel du mieuxin. Les Lattres Cadres 3, Coran Karim 0, la Fraternité ne peut que triompher. Au début, je leur ai dit qu'on va les gagner par 3-0. Je suis très content aujourd'hui parce que tout d'abord, on s'est compris et c'est la fête qui va continuer. Vraiment, c'est la fraternité. La jeunesse, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'aujourd'hui, ils ont eu la chance, puisque le football, c'est de l'argent. Mais il faut travailler avant de gagner de l'argent. Donc c'est de la même manière, il faut travailler avant d'être un grand footballeur. Aujourd'hui, ils caressent le ballon, alors qu'en réalité, ils doivent travailler. C'est aujourd'hui qu'il y a tout, le football est modernisé, il y a les médias. Avant, nous on jouait pour le plaisir, mais aujourd'hui on joue pour l'argent. C'est normal, mais ils doivent travailler beaucoup pour être de vrais joueurs et gagner de l'argent. Nous avons tellement mené le jeu, mais on n'a pas pu concrétiser les buts. Et la joie, c'est parce que c'est entre nous et que c'est nous. Notre slogan, c'est la fraternité. Nos cadets de maintenant sont très pressés. Ils veulent tout de suite arriver. C'est pas ça. Pour gagner, il faut commencer depuis le bas âge et avoir quand même un truc dans la tête, sachant que voilà, c'est mon objectif que je vise ça. Ce n'est pas que d'un seul coup, vous allez voir un Adebayo, bien un Eto'o, vous allez d'un jour à l'autre en même temps, vous dites que vous devez devenir en même temps. Non, il faut commencer à zéro et arriver. Seulement, il faut écouter les aînés, surtout les conseils des aînés, vous allez arriver. Un esprit de fraternité préservé à tout prix par le président du club, Egbataou Tchaïbom, qui vient d'accomplir son 5e pilier de l'islam. Nous sommes comblés parce que le but, c'est de venir faire le sport d'abord. Et puis aujourd'hui, on a joué entre nous. C'est deux équipes de fraternité qui, après un tournoi, ont choisi deux équipes qui ont mérité pour jouer la finale. Donc finalement, c'est la fraternité qui gagne. Dans notre club, nous acceptons tout le monde, sans distinction de race, d'ethnie, de religion. C'est un ensemble, c'est un creuset où on partage, où on est solidaire. Quand il y a quelqu'un qui est en joie, on va l'aider dans la joie. Quand quelqu'un est en détresse, on va l'aider aussi dans la détresse. Donc ça ne s'arrête pas seulement que sur le terrain. On se soutient mutuellement. Le message à l'endroit de la jeunesse, c'est de ne jamais abandonner l'activité sportive. Si vous voyez, nous, à notre âge, on se décarcasse pour continuer à jouer. C'est vrai, on a l'amour du football, du ballon rond, mais c'est pour entretenir l'organisme. Les rideaux du tournoi du Ramadan édition 2019 sont tombés sur la cérémonie des récompenses composée de prix au meilleur gardien, buteur, de jeu de maillot,
et du trophée du vainqueur, les lattes cadres. Cérémonie suivie immédiatement de l'incontournable troisième mi-temps, plus détendu. Oui, sûrement qu'il y aura troisième mi-temps samedi à Gouet au niveau de Atlantique. Hein. Absolument, troisième mi-temps est inévitable. Très bien, je viens à vous, monsieur Kéké. Tantôt, on parlait de ces utiles conseils à donner aux amis télésportifs, ceux qui nous suivent à l'instant, que la partie du sport est tellement importante pour chacun de nous. Alors, effectivement, la pratique du sport, elle est importante pour chacun de nous parce que je vais le résumer en trois petites raisons. Tout d'abord, le sport nous permet de maintenir notre organisme bien, c'est-à-dire qui nous permet d'augmenter certaines capacités, comme les capacités respiratoires, et également de réduire le risque de maladie. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de diabète, d'hypertension artérielle, d'AVC ou encore beaucoup d'autres maladies qui tue. Alors, le sport nous permet de réduire les risques de maladie. Et en troisième position, je dirais que le sport nous permet également d'améliorer notre morale. Donc, le moral, l'intellect est également favorisé par les activités sportives. Donc, je dirais donc à la population, le sport, c'est une activité très importante. Elle est aussi importante que l'alimentation. Alors, il faut faire du sport pour rester en bonne santé. Merci à vous, M. Boukar, de compléter. Merci. Pour compléter ce que mon confrère vient de le dire, je veux donner quelques conseils. Pourquoi le sport est important? Il faut d'abord savoir que quand on pratique le sport, on a le sang qui circule bien dans le corps. Donc, c'est quand on parle de tension, oui, ça réduit ce risque-là. Le sucre dans le corps également est diminué. Donc, on a très peu de chances de faire le diabète. Il y a certains cancers dont le sport, la pratique du sport permet de les prévenir. D'accord? Donc, on peut éviter le diabète. Et le corps, le cœur se porte bien. On prévient également le fait d'être trop gros, le surpoids ou l'obésité. En faisant le sport, on évite cela. Même l'os, notre os même est bien renforcé, d'accord? Ça lutte contre le vieillissement. La santé mentale est bien dégagée, d'accord? Et on n'est pas assez stressé quand on fait le sport. Et sur le plan mental, on est vraiment épanoui. Donc on a toute une liste de bienfaits du sport qu'on peut citer. Donc je ne peux que renforcer, comme mon confrère a dit, d'encourager la population à s'adonner au sport pour son bien-être physique. Merci beaucoup. Donc, c'est pourquoi on a vu les vieilles gloires s'adonner encore au sport. C'est juste c'est pour toujours leur bonne santé. Oui. Revenons donc à MedPlus pour conclure, docteur Gamelé Kéké. Oui. Alors, pour conclure, je vais lancer des remerciements à l'endroit de la Fédération Togolaise de Football par son président, le colonel Guy Apovi, qui nous appuie sur ce tournoi. Également, le directeur général de Études et Construction et TECOM, et la clinique Hôtel Delhi, et toutes les cliniques partenaires, les pharmacies partenaires, et toutes les agences de laboratoire, et toute bonne volonté qui nous ont soutenus. Nous lançons également un appel à toutes les bonnes volontés ou les structures qui voudraient nous accompagner dans ce tournoi, et aussi dans nos activités sociales que nous allons mener ce samedi. Donc notre porte est ouverte, nous attendons juste vos appels pour vous répondre. Merci beaucoup. Monsieur Boukar. Merci, Monsieur Jean, pour l'opportunité qui nous a été offerte. Comme mot de fin, je veux juste simplement remercier la télévision togolaise et informer tous ceux qui nous écoutent maintenant que le samedi, dans 3 jours, le samedi 28, à partir de 12h, à l'école Atlantique, non loin de Agouet de Lyon, nous serons là pour le tournoi et c'est gratuit, c'est pas payant, donc les gens peuvent venir massivement nous supporter et afin que l'ambiance soit là, de taille. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, mais pour la prochaine édition, n'hésitez pas à inviter une équipe des journalistes. Justement. Donc tu te racontes. Vous allez du coup vous venir jouer et vous allez voir de quel bois, de ceux dont ils sont capables. Je vous jure qu'ils vont rapporter les trophées. Ok. Alors, on y va. Merci.
Et nous bouclons cette édition avec un mot sur le handball. Le championnat de handball de la Ligue Lomé Golf s'en est bien fini depuis samedi dernier. La finale senior homme a mis sous prise Liberté, homme à Liberté et Élite. Un duel qui a tourné à l'avantage de Liberté 38-32. Liberté est donc championne de la Ligue Lomé Golf saison 2019, comme l'a constaté si bien Aflim Johnson. Liberté Elites, un match, le dernier de la saison 2019 dans la Ligue Lomé Golf de handball. Cette finale, Liberté à maillot rouge et Elites en ont fait d'une bonne partie de la première période, un véritable duel, une course au but. L'on égalisait aussitôt après avoir encaissé. Le coude à coude a duré jusque dans les derniers instants avant la pause. Et Liberté s'en sort partiellement sur le fil 17-14. Après les 10 minutes de répit, l'on repart sur le même rythme. Mais cette fois, Liberté est légèrement devant au plan technique d'abord, ensuite au score. Lentement mais avec assurance, Liberté marche vers son succès. 38-32, score final. 4 mai 21 septembre 2019, plus de 4 mois de compétition, la boucle est bouclée non sans peine. Et nous réjouissons de jouer les deux finales ce soir. On a du suspense par moment, bon, la scolarité, les examens, oui. Mais on pourrait faire mieux si les moyens nous accompagnent. Mais pour le moment, bon, on s'en tient à ces 16 clubs qui, dont les catégories inférieures bon, représentent à part tout pour tout les 32 équipes. Voilà, c'est 32 équipes qui ont compétit pour les 47 matchs. Mais si vraiment on a l'accompagnement nécessaire, alors là, ils vont jouer les compétitions internationales. Le cri de cœur de la Ligue Lomé Golf de handball est légitime. Et les autorités sportives y restent sensibles. Je ne peux que marquer ma satisfaction. Satisfaction parce que en début d'année, nous leur avons dit que chaque organisation sportive doit aller donc vers l'organisation de son championnat national. Nous allons rendre compte à qui de droit, mais pour ma part, au niveau donc de tout le mouvement olympique, nous sommes vraiment satisfaits. Satisfaits et félicitons donc tous les acteurs qui sont mobilisés autour donc de cet axe-là, donc de développement du sport hand, pour que nous puissions assister à de belles exécutions. À l'heure des récompenses, Liberté et les vainqueurs des autres catégories sont rentrés avec médailles, ballons et trophées. Les images de handball que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Merci à Romel Awate et à toute l'équipe technique du jour. Restez câblés sur la première, le programme se poursuit. Bon après-midi à tous. Au revoir.